Heureusement qu'il y avait une télé dans le hall. Ah, mais parce qu'on loupait la deuxième mi-temps, hein, je veux dire. Ah non, 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 mais un accouchement, ça peut durer des heures. Hein. Si t'es pas au courant, c'est... Tiens, donnez-moi ça. Hein? Donnez-moi ma blouse, s'il vous plaît. Thérèse, on va aller regarder où est-ce qu'on en est avec Madame Laflip. Tiens, je vais remettre mon lacet. Alors, il en est où, ce col, Thérèse? Hein? 8 cm? Eh bien, c'est bien, on y arrive. Hein, Madame Laflip? Détendez-vous surtout, détendez. Soufflez, soufflez. Hein? Ah, très bien, soufflez, soufflez, hein? Tiens, éteignez-moi la bécane, là, j'ai l'impression que ça l'énerve un peu, hein? Alors, là, oui, oui, elle est toute violette, là. Hein? Détendez-vous, détendez-vous, hein? Hein? Il se sera fait attendre, dis donc, tu as. Hein? Combien de mois, là? 9 mois et demi. Hein? Ah. Ça ne sera pas un ponctuel, le gosse. Hein? Et il est à l'heure africaine. Il faudra lui apprendre la discipline, quand même. Hein? Mais sinon, vous allez être emmerdé. Vous avez une vilaine bosse sur la tête, là, votre Marseille. Hein? Un coup de cric? Ah, d'accord. Hein? Si, ça arrive. J'ai les papas qui sont un peu nerveux, là. Hein? C'est le deuxième garçon, c'est ça? Vous avez trouvé un prénom? Hein? Comment? Francis. Hein, Francis, c'est joli, ouais. Ouais, c'est pas très joli, non. Et le premier, il s'appelait comment? Francis? Francis, les deux, Francis, il l'appelait, hein? Et la grande fille, alors, c'était comment, frère? Francis? Si, ben, vérifiez l'oxygène, là, Thérèse, là, ouais. Mais Francis, on l'a entendu, hein? Mais je vous ai dit, il faut changer les bouteilles, là, ça va pas, là, cette marque. Sont toutes violettes, en plus, ça marche pas, hein? Il y en a plus, ben mettez l'autre, le fond, là, je préfère. Mais Francis, c'est bien, ça va, on a compris, là, quand même. Eh, c'est marrant d'être focalisé comme ça sur Francis, hein? Ah ouais, ouais, non, d'accord. Alors, de toute façon, vous en faites pas, les prénoms bizarres, ça n'arrête pas. Juste avant vous, j'ai libéré Mandela. Mandela, ils l'ont appelé, le gosse. Mandela, ouais. Bon, un petit Africain, en même temps, bon. Hein, Mandela, Bamboula, c'est ça. Hein, Thérèse, quoi? Nutella, voilà. Tu tiens, Madame Laflip, laissez-la parler, quoi? Tombola, très bien, non, au contraire. Au contraire, qu'elle rigole, c'est très bien, ça, c'est très bien. Là, c'est pas drôle, mais c'est très bien, c'est très bien. Hein? Si, hier soir aussi, tiens, j'ai sorti un petit Oussama de sa tanière. Oussama, ils l'ont appelé, le gosse. Ouais. Ah, il voulait pas sortir, le gosse, il voulait pas. Rien à faire. 11 mois et demi, hein. Ouais. Ah, il était planqué dans le fond, derrière la vessie, il voulait pas. Hein. Puis malin comme un singe, hein. Et j'ai mis des bombes avec moi pour l'attirer, le gosse. Hein. Penses-tu? Il a même essayé, il m'a essayé de me mordre. Hein, c'est vrai? Oui, non, il avait pas de dents, mais je veux dire, c'est le principe d'essayer, quoi. Ah, mais ça, c'est les parents, ils s'emmerdent pas avec le bon goût aujourd'hui, vous savez. Tiens, la semaine dernière, c'était comment les deux jumeaux, là, j'oublie toujours. Satanas et Diabolo. Oh, ben là, j'ai explosé derrière, c'est vrai, hein. Ah oui, j'ai lâché le gosse, c'est vrai. Satanas et Diabolo. Là. Mais ça, c'est les gens ne respectent plus rien. Hein. Soufflez surtout, soufflez, hein. Non, vous accrochez là, soufflez, hein. Tiens, mes gants, Thérèse, on va regarder où on en est, hein. Là, il fait chaud dans la salle de travail, on a dit, elle ne marche plus les clims encore. Oui, mais c'est une clinique privée quand même, les gens payent cher, hein. Ben oui, mais si. Comment ça, je suis actionnaire majoritaire, quoi? Oui, mais ne dites pas, bon, allez ouvrir les portes du couloir au lieu de dire des bêtises, là, parce que là, si, les deux battants, là, tout le sas, tout ça va mettre de la fraîcheur un peu, hein. Ouais. Si, hier on sent le frais déjà. Hein. Ah, si, ça fait du bien. Hein. Tiens, ben, levez un peu les pattes, ça va vous rafraîchir le bazar un peu. Hein. Mais non, les gens vont pas regarder, madame. De toute façon, c'est pas le jour pour faire sa coquette, hein, vous êtes au courant. Hein, on va en prendre un petit coup, la mise en pli. Hein. Alors, par contre, pas de photo, monsieur, là. Non, attention, là. Quoi, c'est une caméra numérique, ça, montrez-moi. Oh la vache, ouais. Mais c'est Madame Laflip, ça. Ouais, avec le zoom, hein, c'est dingue, ça. Non, monsieur, attention, ouais, non, ouais, la pudeur des personnes. Hein. Non, je cache, il a rien vu. Partez, monsieur. Non, mais ça va, oh là là. Non, détendez-vous, regardez où on en est. Ah oui, je sens la tête, là, ouais. Si, je sens la tête, hein. Enfin, j'espère pour lui que c'est la tête, parce que... Sinon, ça lui fait des gros orteils, au gamin, hein. Hey, vous êtes emmerdé pour lui trouver des chaussons, gosse. Hein. Ah, je rigole! Oh là là!
Il faudra bien qu'il s'ouvre, ce col, de toute façon. Hein? T'inquiétez pas. Mais si, il va s'ouvrir. Hein, il y a toujours moyen de le déboutonner au scalpel, mais on va attendre un petit peu. Hein, hein l'épisio. Non, on va attendre, ne vous inquiétez pas, on va attendre. Elle est nerveuse, hein? Qu'est-ce qu'il y a? La péridurale, oui, oui, si, si. Si, si, ça existe, oui, ils font ça maintenant, mais non, non. Mais c'est trop tôt, non, 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 Thérèse, non, non, non. Ah non, 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 faut descendre au premier en plus, là-bas, devant le masque. Non, non, laissez. Non, non, on va attendre, hein. Ouais, non, ça va, ça va. Mais si, on va attendre, écoutez, si on vous écoutait, on vous l'aurait fait il y a 9 mois déjà, la péridurale. Bah oui, mais comment elle faisait, les femmes préhistoriques, madame Lafley? Lucie et toute l'équipe, elle a fait comment? Bah oui, écoutez, bah, ça va, respirez, surtout, respirez. Ne pensez pas, respirez, respirez, hein. Hein, le plus dur est déjà passé, de toute façon. Hein? C'était votre mari? Oh là là! C'est bien qu'on est dans un institut catholique, je peux quand même rire avec les patientes. Si, ça la fait rire. Plus ou moins, quoi. Oui, bon, ça va. Hein. Il s'appelle comment, le papa? Voilà, voilà. Hein? Patrick. Vous voyez, hein, Thérèse, qu'il faut un gosse, un père pour faire un gosse. Hein? Et vous, c'est pas plus n'importe quoi, vos histoires de Vierge Marie, hein? Moi, je suis vulgaire de la même façon, je suis désolé. Mais parce que, ça n'a aucun sens. Je sais bien que vous êtes une scientifique, mais vous êtes avant tout une femme. Donc ça a bien dû vous chatouiller, ces histoires de procréation, à vous aussi. Vous êtes une scientifique, quoi, et alors? Vous êtes mariée avec Dieu. Ça, c'est la grande réplique, ça. Et vous avez jamais eu envie d'un petit câlin? Regardez-moi, c'est normal, écoutez, ma soeur. Il est votre amant céleste. Eh ben, ma coquine... Et comment ça se passe concrètement sur le terrain, la Mont-Céleste, qui s'y soit? Mais quoi, vous faites ça toute seule, entre bonnes sœurs, il y a du marlou qui traîne, il y a bien... Oh, vous pouvez me le dire, Thérèse. Ça fait 15 ans que je vous connais, ça va, hein. Mais elle répétera rien du tout, madame la flippe. Complètement dans le potage. Donc, remettez-lui un peu d'oxygène. On est en train de la perdre, Thérèse! Eh bien, n'importe, de l'azote, n'importe, mettez... Respirez, madame la flippe, respirez! Eh oui, mais vous respirez pas, alors vous, nous, on va vous descendre au congélo directement, là. Péridurale, oui, ça va, ça va, ça va, oui. Mais non, mais c'est trop tard, dites-lui, c'est trop tard. Oui. Non, là, on est samedi, là, c'est fermé, l'après-midi, l'atelier, là, hein. Eh bien, vous allez pondre à l'ancienne, et puis c'est tout, hein. Estimez-vous heureuse, vous savez, il y a des femmes, même en Inde encore, qui font ça toutes seules, accroupies dans les bois, hein. Mais non, on va pas vous descendre dans le square, là. Elle est mort, elle entend, hein, elle entend, là, hein. Et non, vous allez démouler ici, gentiment, vous énervez pas. Votre mari? Ah, il est en bas, ouais, non, on va pas le chercher, non, n'y allez pas, n'y allez pas. Non, non, c'est à quoi, elle se prend un coup de couteau, il y avait 1-0 pour les Sénégalais. Pas. C'est ça? Et on en est où d'ailleurs, le match? On a perdu? Devant les Sénégalais? Oh! Oh merde! Mais on était champion du monde ou pas, là? Ouais, mais en tant qu'ancienne colonie, ils auraient pu nous laisser gagner. Là. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de la Coupe du Monde? Franchement, ils n'ont même pas de quoi bouffer, déjà, ça va. Ouais, il va pas falloir être bon, être sénégalais dans le coin. Hein. Tiens, allez fermer la porte de Madame Diouf, tiens, tant qu'on y est. Si, si, j'ai peur qu'il y ait des projets de vengeance, les Santaquins, ils sont picolés, les gars. Là, en plus, le gosse, il est tout rond, on dirait un ballon, tu sais. Hein? Ça, il arrive. Qui ça, Madame Lafay? Ah, l'enfant, exact, ah oui! Eh bien, poussez, poussez, non, laissez-moi, t'arrêtes. Poussez, allez-y, poussez. Oh, la vache. Oh, Lilo, un bouchon de champagne, vous avez vu ça? Ah, j'ai jamais vu ça. Ah, il est beau. Ah, si. Ah, non, c'est dans l'autre sens, tiens. Ah, il est magnifique. Ouais. Allez-y, allez-y, tiens, léchez-le, mangez le cordon, allez-y. Ah, oh, mais il m'a fait peur. Ah, ben voilà, c'est le papa, ils se sont donné le mot, là. Ah, ben, bah, bah, hein? Ah, ben, bah, il vient d'arriver, le gosse, il vient d'arriver, là. Mm. Ah bah entrez, entrez, bah, bah évidemment. Hein? Ah bah vos copains, ouais, si vous voulez, ouais, j'ai nombreux là. Il y a toute l'équipe de supporters. Ah, pardon, pas de cigarette, monsieur, attention. C'est un pétard, ah d'accord. Ah c'est le parrain? Ah d'accord, ouais. Et qu'est-ce que vous faites là, monsieur là? Vous lui donnez une taf au gosse? Non, mais il a pas une minute là, l'enfant là. Ça peut peut-être attendre la fin de journée, non, le baptême? Mais il est où, le papa? C'est qui, le papa, alors, là-dedans? C'est vous, monsieur? Mais venez, venez, entrez, là! Oh! Et laissez-le passer, monsieur, là! Mais frayez-vous un chemin, là! Ah, ben, vous avez un beau garçon, hein? Félicitations, hein? Ah, si, 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 il est beau, regardez ça. 2 kilos, là, bon, 3 kilos, venez, moi, je dirais... Qu'est-ce que vous faites?
Mais non, dans la bassine, là, c'est le placenta, là, qu'est-ce que vous faites, là? Je fais des bisous au placenta, là. Mais non, c'est ça, le gosse, il est sur le ventre de votre femme, là. Tiens, essuyez-vous, là, vous en avez partout. Ouais, il est sur le ventre de votre femme, là, c'est ça, l'enfant, là. Là, avec son parrain, là, qui lui souffle de la fumée, là. Je sais pas ce que vous faites, monsieur. Une soufflette. Oui, mais c'est pas la bouche, de toute façon, donc je sais pas ce que vous cherchez. Le beurre qu'il a sur le corps, non, c'est normal, ça. C'est un fluidifiant, ça, ils le mettent toujours. Hein. Ah, ben, c'est naturel, hein, c'est... Comme les rillettes. Ouais, 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 voilà, comme les rillettes. Ouais. Ouais, vous pouvez l'appeler rillette, l'autre, si vous voulez. Ouais, ça changera un peu de nom, ouais. Ah, vous inquiétez pas, de toute façon, elle va vous le rendre, il sera tout propre, hein. Thérèse va lui mettre un petit coup de karcher, Thérèse, allez-y, tiens. Ah, vous avez les yeux rouges, hein. C'est assez émouvant, ça, des moments comme ça, c'est des grands moments de vie, ça, vous savez. Profitez-en, pardon ?